tous ce soir avec joie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour les souffles de vie qu'il vient de nous accorder. Il y a beaucoup qui ont désiré être en vie comme vous et moi. Kuna wengi walitamani kuwa wazima kama nini na mnyumu na mweye. Ils avaient des projets aussi en cette journée. Balikuwa na abu na mamapu yabu ya kutengeneza mwimu chana ya leo. Mais le décideur a décidé. Lakini mwenye walikamataka anapakamataka. Il a permis que toi tu restes en vie. Lakini aruruzu wayo upate kuwa mzima. Et que tu puisses arriver dans sa présence. Na uye mbwepo wake. Ce n'est pas par ta ruse. Ana njuu ya ujanja wako. C'est une grâce. Ni neema. Et ce soir nous sommes dans un lieu le plus excellent pour un chrétien. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, ça doit être un souhait pour tout véritable croyant. Nous remercions aussi Dieu de nous avoir aussi protégés. Parce que tout déplacement est un risque. Même si vous êtes aux environs de l'église, si Dieu ne t'assiste pas, tu ne peux pas arriver dans sa présence. C'est déjà un grand miracle. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Nous vous apportons les salutations de vos frères et sœurs partout où nous sommes passés. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Bila kugawia na waalika kusimama. Prenons le livre de Genèse. Tubebe kitabu cha mwanzo. Genèse chapitre 22. Kitabu cha mwanzo sura 22. Partir du premier verset. Kuanzia shairi ya kwanza. Verset 8. Kufika mpaka ya mnane. Avant cela, inclinons nos têtes pour un mot de prière. Bado ile tuinamishe vichwa juu ya maombi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime. Oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le oui. Et quand les vents me bougent, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines, puisque je. Oui, Jésus, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien, puisque j'aime. Oui, et quand le préva arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à mieux combattre, puisque j'aime. Oui, et quand le préva arrive, elle travaille pour mon bien. J'apprends à mieux combattre, puisque j'aime Jésus. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous ne méritons rien, Seigneur Dieu. Nous ne dépassons pas ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous ne dépassons pas ceux qui sont morts. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si nous avons trouvé grâce à tes yeux et que tu as permis que nous venions dans ta présence, ne nous laisse pas repartir de ces lieux de la manière que nous y sommes entrés.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir nous venons humblement devant ta face pour implorer grâce et miséricorde. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, parce que nous t'avons offensé de différentes manières, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne rejettes pas celui qui vient auprès de toi. Oh Dieu, toi tu n'es pas un Dieu problème. C'est nous qui avons des problèmes. Même si nous n'avons pas écrit, toi tu es en train de lire chaque cœur présent. Et chacun de nous représente une requête. Accepte, Seigneur, que tu puisses consoler ton peuple. Accepte de donner solution aux problèmes de tes enfants. Tu n'es pas un Dieu maladie. Tu t'appelles guérison, Seigneur. Et tu as dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Par ta meurtrissure, nous sommes guéris, Seigneur. Tu es un Dieu, un grand médecin qui guérit nos corps, qui guérit aussi nos cœurs. Descends, Seigneur, ce soir. Circoncis mes lèvres qui doivent parler. Prédispose les oreilles qui doivent écouter. Afin que nous écoutions comme avaient écouté les disciples, Seigneur. Prends l'autorité sur chaque chose. Nous devons devoir lire ta parole. Seigneur, descends toi-même. Donne une meilleure compréhension. Descends toi-même pour enseigner ton peuple. Que ton esprit s'émouve au milieu de nous. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Étant debout. Béni couché, maman. Nous lisons dans le nom du Seigneur Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridia. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham. Son père dit, mon père, Babangu. Et il répondit, Nakajibu. Mais voici mon fils. Mimi hapa mwanangu. Isaac reprit, Isaac akajibu. Voici le feu Tazama moto. Et les bois. Nakuni. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Sasa, nkondo unju ya sadaka. Abraham répondit, Abraham akajibu. Mon fils, mwanangu. Dieu, Mungu. C'est pour voir à lui-même. Atajipatia mwenyewe. Dieu, Mungu, se pourvoira lui-même atajipatia mwenyewe de l'agneau sadaka, mkwana kondo, pour l'holocauste. Kwa sadaka. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Wote wawili wakatembea pamoja. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Mungu aongeze mabaraka ku usomi wa neno lake. On peut se rasseoir. Tunaweza tena kuketi. Mes bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, à travers les critiques que nous lire, kupitia neno tunatoka kusoma, nous allons essayer de nous exhorter. Sur un petit sujet d'interpellation et d'encouragement. Sur les épreuves. Yulu ya majaribu ama mabipimo. Comme naturellement. Kama kwa asili. Quand un enfant étudie. Wakati mtoto anafunda. Même s'il est intelligent, attaque on ne peut pas le faire passer d'une classe à une autre. Sans pourtant le soumettre d'abord à un test. Bila ye mbele kupita kwa examen. Et le test auquel on va le soumettre, c'est sur base de ce que vous lui avez donné. Ni kufuatana na ile ulimpatia. Et les résultats qu'il va présenter à la fin, na majibu yenyewe ile atapata kumwisho, c'est cela qui va assurer au professeur que cet enfant
serait capable de défendre ses leçons. Il serait capable de défendre la place qu'on lui a donnée. Même s'il partait dans la classe supérieure, il ne peut pas nous décevoir. Mais ici, nous voyons que c'est Dieu lui-même. En ce qui concerne les épreuves. Ce n'est pas un homme qui éprouve un autre homme. Celui qui éprouve un homme, c'est Dieu lui-même. Et Dieu n'éprouve pas l'intelligence d'un homme. Na Mungu ashikalake yako na jaribu ama kupima akili ya mtu. Kupima sio kujaribu. Kupima. Dieu. Mungu ne prouve pas l'intelligence d'un homme. Mungu ashipima akili ya mtu. Et Dieu. Na Mungu ne prouve pas tout le monde. Ashikalake yako na pima bantu bote. Dieu. Mungu éprouve uniquement la foi. Anekalaka na pima paka imani. D'un croyant dans sa parole. Ya mwaminifu kuneno lake. Quand vous êtes un croyant. Wakati uko mwaminifu. Qui que vous soyez. Ataka muko nani. Où que vous soyez. Ataka muko wapi. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Bipande bishuke. Il y a un temps de preuve qui va vous arriver. Huko wakati ya kipimo ile itakufikia. Et quand les épreuves arrivent, na wakati bipimo binafika, comment est-ce que nous nous comportons? Na munakani tunapasha kutenda. Qu'est-ce que nous faisons? Tunafanyaka nini? Parce que les épreuves, njoo bipimo, ce n'est pas un cadeau qu'on donne à tout le monde. Ana kadoba banapachaka mtu wote. Et la foi d'un croyant, na imani ya mwaminifu, la foi ne vient pas de discours. Imani itoke yake kwa mahutuba. Comme l'apôtre l'a dit dans Romains chapitre 10. Kama vile mtume anasema mu Roma sura ya 10. La foi. Imani. Vient de ce qu'on entend. Inatokea mkusikia. Vous pouvez écouter toutes choses. Unaweza kusikia vitu vyote. Vous pouvez écouter les cantiques. Unaweza kusikia mimbo. Vous pouvez écouter les discours. Unaweza kusikia mahutuba. Mais toutes ces choses là. Lakini vile vitu vyote. Ne peut pas vous donner la foi. Haiwezi kukupatia imani. Ce qui va vous donner la foi. Kitu kukupatia imani. C'est uniquement l'écoute de la pure parole de Dieu. Ni paka kusikia neno la Mungu la kweli. Et si vous êtes croyant, na kama uko mwaminifu, vous ne pouvez pas échapper aux épreuves de Dieu. Hawezi kuepuka kuma bipimo ya Mungu. Et chacun de nous, na kila mmoja wetu, il se dit croyant. Anasema ni mwaminifu. Donc chacun de nous, na kila mmoja wetu, a un temps de preuve. Eko na wakati yake ya bipimo. Dans lequel il est en train de passer. Mwile wakati ile atapita mwile bipimo. Mais bien aimé frère et sœur. Wapendwa ndugu na dada. Dieu. Mungu, c'est vrai, il est bon. Ya kweli ni mwema. Mais, lakini, tu as dit tu crois en lui. Unasema yeye unamwamini yeye. Tu lui demandes le Saint-Esprit. Unamuomba Roho Mtakatifu. Tu lui demandes la guérison. Unamuomba uponyaji. Mais Dieu est en train aussi de regarder. Na Mungu na yeye anaangalia. Cet homme qui cherche la guérison. Huyu mtu anatafuta uponyaji. Si je lui donne la guérison. Kama mimi namupatia uponyaji. Est-ce que moi je vais bénéficier? Sasa mimi nitapatia amo nini? Dans la bonne santé que je vais donner à cet homme. Mwili afya njema nitampatia mwanamke. Dans la bonne santé que je vais donner à cet homme. Mwili afya njema nitampatia mwanaume. Est-ce que moi Dieu? Mimi Mungu. Je vais bénéficier. Nitafaidi amo nini? Connaissons tous. Si bote tunajua. Parce qu'il y a parfois nous confondons entre les épreuves et la tentation. Kuko bintu mafachingi masangi tunakala tunavuruka majaribu na bipimo. C'est lui qui tente. Ule uko na shawishi. Ce n'est pas Dieu. Ana Mungu. C'est lui qui tente. Ule nakalaka uko na shawishi. C'est le diable. Ni shetani. Et le diable ne tente pas ceux qui lui appartiennent. Na shetani ashikalake yako na jaribu bale beko benye kwa bake. Le diable tente les enfants de Dieu. Shetani anakalake yako na jaribu bale beko benye kwa bake. Avec un objectif. Lakini kishawa yake. Que les faire sortir de la volonté de Dieu. Ni kubatosha mu mapenzi ya Mungu. Quand tu agis bien. Wakati uko na tenda mzuri. Quand tu dis la parole. Wakati unafuata neno. Le diable n'est pas content. Shetani ana na furaha. Il voudra toujours venir. Yeye atapenda akuye. Pour que tu n'accomplisses pas la justice de Dieu. Ndio ushitimize haki ya Mungu. Amen. Amina. Et comme Abraham était le père de la foi. Sa vile Abraham alikuwa baba wa imani. Abraham a vécu une circonstance. Abraham aliishi mambo moya.
Parfois, c'est dans la circonstance où tu te trouves aussi ce soir. Mamara yingini njo mwile hali huko nayo na wewe mangaribi ya leo. Il n'y a jamais eu un chrétien sans problème. Akuyakuyaka mu Kristo wasipo mambo. Vous êtes chrétien? Huko mu Kristo. Mais vous n'êtes pas exclu au problème. Lakini mambo yo inapaswa kukufuata. Les problèmes doivent arriver. Mambo yo inapaswa kukufikia. Mais c'est ton comportement dans ces problèmes. Sasa namuna yako ya kutanga mwana. Qui va témoigner aux gens que cet homme est croyant? Inapaswa bantu washuhudia kusema huyu. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa iko pamoja nami? Oh, je suis croyant. Oh, niko mwaminifu. Mais quand la maladie vient, sasa wakati magonjwa yanakuja, qu'est-ce que tu fais? Unafanyaka nini? Quand le problème arrive, wakati mambo inakufikia, qu'est-ce que tu dis? Unasemaka nini? C'est que tu dis là. Kile unasemaka kile. Est-ce que ça prouve vraiment que vous êtes croyant? Est-ce que inaonesha ya kusema uko vya kweli mwaminifu? Et on peut dire. Na tunaweza kusema. Vous savez cet homme-là? Unaoya ule mtu ule. Il est un bon païen. Ni mupagano mzuri. Il n'existe pas un bon païen. Akuikalaka mupagano mzuri. Mais s'il te donne à manger. Hata kama anakupatia chakula. Il est toujours païen. Yana bakia paka mupagano. Il est toujours méchant. Na yuko paka mtu mubaya. Même s'il paye pour toi les études. Hata kama anakulipia masomo. Cela ne signifie pas que par ses œuvres. Il a dit que kupitia matendo yake. Aussi longtemps qu'il n'a pas conquis. Wakati ya shiamini. Cela ne signifie pas qu'il devient bon. Ana kusema yeye ndio anakuwa mtu mzuri pale hapana. Si n'y a pas un bon païen. Akuikalaka mupagano mzuri. Si n'y a pas un bon païen. Kama kuna mupagano mzuri. Il n'y a jamais eu un mauvais chrétien. Akuyakuyaka mu Kristo mubaya. Si vous souhaitez, vous êtes chrétien. Kama uko mu Kristo. Soit vous êtes chrétien. Au uko mu Kristo. Soit vous êtes païen. Au uko mupagano. Ah, il n'y a plus une partie nette. Akuikalaka mupagano wa kipande au mukristo wa kipande. Oh non, moi je suis païen. Mimi niko mupagano. Oh là non, moi je suis chrétien. Mais hapa non, hapa niko mukristo. Non non. Hapana. Soit vous êtes chrétien. Au uko mukristo. Soit vous êtes païen. Au uko mupagano. Et ce que vous faites. Na kile uko nafanya. Vous identifiez. Ndio kinakuonyesha kile uko. Ce que vous faites. Kile uko nafanya. Ça montre aux gens. Inaonesha kwa bantu. Ça montre aux gens. Kinaonesha kwa bantu. Cet homme. Ya kwamba huyu mtu. Il a quelque chose que le monde n'a pas. Eko na kintu kimoja kile dunia haina nacho. Amen. Amina. Et les épreuves. Na bipimo. Sont différentes de la punition. Inaachana na maripisi. La punition. Maripisi. On punit quelqu'un qui a mal agi. Bana pisa kwa mtu ule alitenda mubaya. Qu'il soit païen ou croyant. Akuwe mwaminifu au mupagano. Aucun péché. Akuikana kata mtenda zambi. Ne restera pas impuni. Ula shita apizwa. Que vous le voudrez ou pas. Upende ou usipende. Amen. Amen. Et maintenant. Sasa. Nous avons tous la même foi. Shibote tuko na imani moja. Étant dans la même foi. Benye kwa sasa mu imani moja. Mais tous. Lakini wote. Nous ne sommes pas au même niveau de la foi. Atuna mukimo moja ya imani. Il y a ceux qui sont déjà montés. Huko bado basha kupanda. Il y a les autres qui viennent de commencer la marche. Huko bengine mananze hapo ndio safari. Dieu ne va pas t'éprouver. Mungu ashita kupima. Si la mesure de la foi de l'autre sœur. Yulu ya ile kimo ya imani yako. Ton épreuve frère. Ile kipimo yako. Est différente de l'épreuve de l'autre frère. Inaachana na kipimo cha huyu nduku mwingine. Cela ne signifie pas que. Na ile alisema ya kwamba. Vous n'êtes pas des croyants. Amuna ba Kristo hapana. Vous êtes des croyants. Muko ba Kristo. Mais chacun a son épreuve. Lakini kila mtu ako na kipimo yake. Oh, vous voyez ce frère là. Unaona ule nduku ule. Ce qui lui est arrivé. Kile kilimfikia kile. C'est parce qu'il avait fait ceci. Ndio alifanyaka kitu fulani. Et c'est parce qu'il avait fait cela. Ndio alifanyaka kitu kingine fulani. Aujourd'hui. Leo. Nous avons la capacité. Tuko na uwezo. Nous avons des personnes dans les églises. Tuko na bantu makanisa. Ayant la capacité. Benye kwa na uwezo. De voir les erreurs dans la vie de quelqu'un d'autre. Benye bale beko na kipumu ya kuona mkosa mu maisha ya mtu mwingine. Qui sont incapables. Bale abana na uwezo. De voir leurs propres erreurs. Abana na uwezo ya kuona makosa ya bobo benyewe. Et chrétien quand il marche. Wakati mukristo kana tembea. Il fixe les yeux sur l'inventaire de sa propre vie. Eko naangalia macho yake yule ya maisha yake mwenyewe. Comment est-ce que je suis en train de marcher? Niko natembea je. Est-ce que c'est que je fais? Iki niko nafanya hiki. Est-ce que ça plaît à Dieu? Kinamupendeza Mungu? Écoutez-moi mes chers frères et sœurs. Musikie ndugu yangu dada yangu. Nous ne sommes pas autant de devoir faire les choses.
pour chercher à plaire aux sentiments des hommes. Non, un chrétien, quand il veut agir, il agit pour plaire à son Dieu. S'il veut parler, il examine même les paroles. Ce que je veux dire sur ma soeur, est-ce que je pourrais le dire à sa présence? Est-ce que je pourrais le dire à sa présence? Elle avait fait ceci. Est-ce que tu l'avais vu? Non, je ne l'ai pas vu. On m'a parlé. Beaucoup de choses qui brisent la communion fraternelle. Ce sont les choses sur lesquelles on n'a pas de précision. Tu n'as pas vu. Tu n'étais pas là. Mais tu as seulement écouté. Sans précision. Bila précision. Tu commences à répandre. Na wewe unaanza kuzambarisha hapo. L'église de Dieu. Kanisa la Mungu. N'est pas un messager d'une mauvaise nouvelle. Aenda mujumbe wa mabari mubaya. Kafera malachi. Wakati ndugu alitenda mubaya. Kain sœur blanche. Wakati dada alifanya dhambi. Ce n'est pas une insinche de prendre cette histoire commencer à répandre. Aenda sasa ndio wakati wewe kubeba ile mambo unaanza kuizambarisha hapana. Et quand tu parles ça, kuisema, tu as la possibilité na uwezo de parler à mal de ton frère ya kusema ya yako, chez les païens. Kubapagano. Tu parles à mal de ta soeur unasema ya dada yako, chez les païens. Kubapagano. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Ce que tu fais là, kile ukonafanya kile, nous t'appelons frère. Shitu nakuita nduku. Ok, c'est bien. Ni mzuri. Nous t'appelons frère. Tunakuita dada. Mais les païens refusent notre témoignage sur toi. Sasa bapagano benyebe kwa nakatala ushuda yetu yulu yako. Nous ne sommes pas chrétiens à l'église. Abana bakristu kukanisa. Nous ne sommes pas des chrétiens à l'église. Hatuna bakristu mpaka kukanisa. Ici où nous sommes assis. Hapa tuko benye kuikala hapa. Il est difficile de voir que celui-ci est chrétien, celui-ci est païen. Ah, iko nguvu kupata kusema huyu ni mkristu huyu ni mpagano. Mais quand nous partons à la cité. Sasa wakati tunarudia msite. Quand nous partons dans nos maisons. Wakati tunaenda nyumba yetu, la manière dont nous agissons, na ile tuko natenda, cela démontre ce que nous sommes. Ile ndio kunaonesha kile tuko. Amen. Amina. Impossible. Haiwezekani. Que tu te dis croyant. Usema ya kwamba kwa Kristo. Sans passer par les preuves. Bila kupita kupibi. C'est impossible. Haiwezekani. Et les preuves. Na bipimo. Ça peut être une maladie. Inaweza kuwa magonjwa. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Bwana unipe Roho Mtakatifu. Donne-moi le Saint-Esprit. Unipe Roho Mtakatifu. Je regarde. Mungu anaangalia. Cet homme. Huyu mtu huyu. Est-ce qu'il sera capable de bien gérer la chose dont il me demande? Est-ce qu'atakuwa na uwezo ya kugere mzuri kintu yako na nilomba? Une petite circonstance arrive. Kama mambo tukaloko toka nafika. Tu commences à pleurer. Unaanza kulia. Mi wapo. Oh moi ici. Mungu anatana huruma. Dieu n'est pas n'est pas miséricordieux. Et quand il entend ça. Lakini wakati anasikia vile. Celui-ci ne peut pas bien garder ce qu'il demande. Ah ah, huyu asiwezi kuchunga hiki kitu yako na lomba. C'est pendant les difficultés. Ni wakati ya mabipimo. Pendant les épreuves. Ni wakati ya bipimo. Que nous donnons maintenant la valeur à notre foi. Ndio tuko na leta sasa bei kwa imani yetu. Quand quelqu'un est éprouvé par Dieu. Wakati mtu anapimwa na Mungu. Les épreuves. Bipimo. Ne peuvent pas faire sortir un croyant de la volonté de Dieu. Haiwezi kumtosha mu Kristo au muaminifu mu mapenzi ya Mungu. Oh nduku. Il était notre frère. Alikuwa nduku yetu. Oh il a eu l'argent. Alipata makuta. Il ne vient plus. Ashuku yake tena. Ça ce n'est pas l'épreuve. Yule aina kipimo. L'épreuve de Dieu. Kipimo cha Mungu. Pousser à les chercher. Parce que Mungu. Derrière les preuves, il y a la kipimo. Consolation de Dieu. Kuko sasa ufaraja wa Mungu. Mais quand quelqu'un abandonne la foi, sasa wakati Mungu anaacha imani, à cause de la maladie, kwa ajili ya magonjwa, oh, je quitte l'église. Mina toka kanisa langu. Parce que dans notre église, njoo kanisa yetu, il n'y a pas le feu. Amuna moto. Un Dieu qui te prouve. Mungu ula nakupima. Mais qu'il te laisse avec sa foi aller consulter les défunts. Anakuacha na imani yake wewe ndio consulter ba mifumo. C'est impossible. Haiwezekani. Quand Dieu va t'éprouver. Wakati Mungu anakupima. Tu n'auras pas même le goût de s'absenter à l'église. Hautapata hata namna wewe kulofa ku kanisa. C'est impossible. Inawezekana? Comment est-ce que tu as la foi? Namna kaliko na imani? Tu peux rester à la maison pendant que Dieu parle.
C'est impossible, frère. Ce qui fait notre force, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, ce que le monde ne peut pas nous donner, et dans sa présence, même dans une minute, Dieu va te donner ça. Avec la foi, je reste à la maison pour regarder la télévision. Pendant que Dieu parle, c'est impossible. Avec la foi, je reste au lit en train de dormir. C'est là mon territoire, là, il n'y a rien. Il a annoncé à ce mandat, il y a comme un kintu. La profondeur appelle la profondeur. Upana, moi j'ai la foi. Mimi kuna imani. La foi vient de ce qu'on entend. Imani natokea mkusikia. Si je n'écoute pas la parole, kama msisikie neno, comment est-ce que ma foi va grandir? Na munaka ni imani yangu itakomea. La foi grandit. Imani inakomeaka. Si n'écoute la parole de Dieu. Mkusikia kwa neno la Mungu. C'est pourquoi nous avons dit. Ndio comment tulisema. Chacun de nous, kila mmoja wetu, a son épreuve. Eko na kipimo yake. Qui est différente de l'autre. Yenye kuachana na ya mwingine. Pas le temps de jeter nos regards sur ce qui se passe chez l'autre. Parce que ce qui se passe entre lui et Dieu, tu ne connais pas. Kwa maana kile kiko nafanyika katikati yake yeye na Mungu wao uyue. Ce qui se passe entre toi et Dieu, nous ne connaissons pas. Kile kiko napitakana katikati yako wewe na Mungu shatu uyue. Alors avec la foi, sasa na imani, c'est impossible. Haiwezekane de confesser l'échec. Et kupata kushindwa. Ya kukiri kushindwa. Ah, kukiri kushindwa. C'est impossible. Haiwezekani. Tout ce que l'homme peut chercher sur cette terre. Kile kiwata mtu anaweza kutafuta pale dunia. Surtout pour un croyant. Zaidi ndio mwaminifu. De la part de Dieu. Kutokaja kwa Mungu. C'est sur base de la foi. Ni paka yule ya imani. Par la foi. Kwa imani. Nous sommes sauvés. Tunaokolewa. Par la foi. Kwa imani. Nous sommes pardonnés. Tunasamewa. Par la foi. Kwa imani. Nous sommes guéris. Tunaponywa. Par la foi. Kwa imani. Nous sommes consolés. Tunafarijiwa. Il y a des choses qui se passent avec la foi. Kuko bintu biko nafanika na imani. Amen. Amina. Avec la foi. Na imani tu. La foi ne confesse pas l'échec. Imani ikalaka na kiri kushindwa. La foi ne voit pas le possible. Imani yo yonaka bila kuwezekana. Est-ce que tu te dis quoi? Na manaka ni wana sema kwa mwaminifu. Mais tu confesses l'échec dans ta vie. Lakini wewe uko na kiri kushindwa kwa maisha yako. Nous vous prêchons. Neno tunamhubiri. Le Dieu que nous vous prêchons. Mungu tunamhubiri huyu. Ce n'est pas un Dieu échec. Ana Mungu kushindwa. C'est un Dieu réussite. Ni Mungu kuweza. Et ce qui croit en lui. Ndio bana mwamini yeye. Il résiste à ce qu'il faut. Bo, kombe yako na uwezo mbili yako nafanya. Frère. Nduku. Sans la foi. Bila imani. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Haiwezekane kumpendeza Mungu. Sans la foi. Bila imani. Même le Saint-Esprit. Ataro mtakatifu mwenyewe. Nous le recevons par la foi. Tuko na mpokea kwa imani. Toi tu as besoin du Saint-Esprit. Wewe unamhitaji Roho Mtakatifu. Mais tu n'écoutes pas la parole. Lakini usikie neno. Tu en auras comment? Utamupata je? Oh j'ai la foi. Oh niko na imani. Tu as la foi. Uko na imani. Mais tu as peur. Lakini uko na boka. Quand les chats sont en train d'adorer Dieu. Wakati baba mpushi beko na musifu Mungu inje. Toi, tu as peur. Wewe unasikia boka. Tu commences. Unaanza. Au nom de Jésus. Mungu jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mungu jina la Yesu. Ça ce n'est pas même la prière de la foi. Ila anata maombi ya imani. Ça c'est la peur de la mort. Ile ni kuogopa kwa lufu. La foi ne craint pas. Lufu moi lufu. La foi ne craint pas. Quel que soit le nombre de démons. Ata ma démon inakuwa mwingi bwa je. La foi ne peut pas craindre. Imani haiwezi kuogopa. Et si vous avez la foi. Kama uko na imani. Vous allez marcher de progrès en progrès. Utaenda maendeleo kwenda maendeleo ingine. Plus le diable multiplie ses efforts. Zaidi, shetani yako anaongeza sasa ile manguvu yake. Pour que tu ne pars pas au ciel. Juu wewe ushende kumbingu. Dieu aussi. Mungu naye. À cause de son amour envers vous. Kwa ajili ya mapendo yake kwako wewe. Il peut permettre une circonstance d'arriver. Ajina anaweza kuruhusu mambo mayo kufikie. Pour qu'il puisse te gagner. Njoo apate kukupata. Écoutez mon frère. Ce n'est plus le temps de faire confiance aux hommes. Ana wakati ya kwanza kutumainia bantu. Ce n'est plus le temps de faire confiance aux hommes. Aina tena wakati ya kufuanisha bantu. Ce n'est pas même le temps de chercher à s'appuyer sur les hommes. Ana wakati ya kutumainia bantu. Non, il peut parler du bien pour toi aujourd'hui. Anaweza kusema vizuri byako leo.
Mais quand tu vas mal agir, la même bouche qui t'a loué, c'est la même bouche qui doit te critiquer. Dieu ne peut pas parler enfin. Mungu ya chwezi kusema mabule. Maudit. Maudit. Asema alaniwe. Soit celui qui se confie dans ses noms. Ula naye mutumainia mutu mwingine. Mais un chrétien. Lakini mukristu. Il s'appuie sur Dieu. Anamtegemea kwa Mungu. Et Dieu. Na Mungu. Ne peut pas accepter que son fils. Asiwezi kuitia kwa kumwa mwana wake. Sa fille. Au binti wake. S'appuie sur un homme. Amutegemee mutu. Et quand vous donnez la place de Dieu à un homme. Wakati unampatia mfasi ya Mungu unapata hiyo mtu. Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Le Dieu qui t'aime. Mungu ule anakupenda. Il est capable de tuer même cet homme là. Eko na uwezo wa kumuua hata ule mtu ule unatumainia. Est-ce que l'église comprend? Kanisa inaelewa? À cause de ta foi dans sa parole. Kwa ajili ya imani yako ndani ya neno lake. Dieu est capable. Mungu eko na uwezo. De faire même submerger tout le cas. Ya kusema likasi yote itumbukizwe. Pour t'avoir toi. Njoo akupate wewe. Dieu est capable de tout. Mungu wako na uwezo wa kufanya byote. Tu t'appuies sur ta mère. Wewe unamtegemea mama yako. Tu as un problème. Uko na mambo. Au lieu de chercher Dieu. Pale wewe kumtafuta Mungu. Au lieu de dire ce problème à Dieu. Pale wewe kumadisia hiyo Mungu. Tu vas dire ça à ta mère. Unaenda kumwambia hiyo mama yako. Tu donnes la première place à ta mère. Unabeba fasi ya kwanza unampatia mama yako. Dieu ne peut pas être content. Mungu asiwezi kufurahi. Si tu lui appartiens. Kama uko wake. Il est capable. Eko na uwezo. De reprendre l'appui sur lequel tu t'appuies. Ya kubeba ile yenyewe tegemeo yako ile. Papa. Mama, papa. Si papa n'était pas là. Non. Apana. Si Dieu n'était pas là. Kama Mungu yangekuwa hapo. Si Dieu ne m'avait pas assisté. Kama Mungu asikunisaidie. Si Dieu ne m'avait pas secouru. Kama Mungu asikunisaidie. Aujourd'hui. Leo. Que devrais-je être? Si tu passes quoi, Dieu? Ma sœur. Dada. Combien de difficultés par lesquelles tu es passé? Malanga pour répéter mon magumu. Tu as commis d'accident. Ulifanya mamisiba. La même maladie que tu as. Ile magonjwa moja elle a emporté d'autres personnes. Ili uwa bantu bengine. Qu'est-ce que toi tu as fait? Wewe ulifanya nini? Pour que tu sois vivant. Ndio kwa mzima. Ma soeur. Dada. La même maladie qui te dérange. Ile magonjwa moja uko nayo. Écoutez-moi église. Unisikie kanisa. Il n'existe pas un grand démon. Akuikalaka mpepo mchafu mkubwa. Et un petit démon. Na mpepo mchafu kidogo. Même la malaria. Malaria. Peut t'emporter. Malaria inaweza kukubeba inakuwa. Mais toi tu souffres de la malaria. Wakati unagonjwa malaria. Mais quand même tu es vivante. Tu uko mzima. Qu'est-ce que tu as fait? Unafanya nini? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Ulimpatia Mungu nini? Qu'est-ce que tu mérites? Unastahili nini? Quand nous venons dans la présence de Dieu. Wakati unakuwa mwepo wa Mungu. Ne venez pas avec votre mérite. Ushikuye na kuna ile kusema yao mimi nastahili. Est-ce que l'église comprend? Kanisa inaelewa? Ne viens pas avec ton mérite. Hapana kuya na kusali kwako. Si nous sommes ici. Kama tuko hapa. Nous venons avec le mérite de Jésus Christ. Tunakuya na kusali kwa Yesu Kristo. Et quand nous sommes là. Na wakati tuko hapa. Si tu étais parfait. Kama ulikuwa mkamilifu. Tu n'allais pas venir à l'église. Aunge kuya ku kanisa. Et tu es fils. Unakatala. Si tu étais parfait, comme vous êtes tu mukamilifu. À l'église tu viendras faire quoi? Sasa utakuwa kufanya nini kukanisa? Ta présence ici. Kuja kwako hapa. Montre que tu es faible. Inaonesha kusema uko mzaifu. Et celui qui peut nous fortifier. Unaweza kututia nguvu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni kwa Bwana Yesu Kristo. Et il nous fortifie. Na yeye anatutia nguvu. C'est par la foi. Kwa imani. Amen. Amen. Oh, vous savez frère. Oh, unajua nduku. Moi que vous voyez, apa, je n'ai jamais fait ça. Chafanya kati fulani. Il est vrai, tu n'as jamais critiqué. Ya kweli, mais tu as déjà menti quelque part. Lakini ucha kulanda ka fwa quand nous venons devant Dieu, wakati tunakuja mbele ya Mungu, en dehors de son sang, nje ya mimbo, personne n'est digne ici. Hakuna mtu anastahili. A commencer même par moi. Kuanzia pangu mimi mwenyewe. J'ai aussi des problèmes. Na mimi niko na mambo. Si Dieu ne m'aide pas, kama Mungu asinisaidie, qui va m'aider? Nani atanisaidia? Frère, le secours d'un homme n'est que vanité. Musaada wa mtu tu ni ubatili. Le secours d'un homme n'est que vanité. Musaada wa mtu ni ubatili. Le seul qui a un secours durable. Lakini wenye kwa musaada wa kukawia. C'est le seul qui a un secours durable. Peke mwenye kwa na musaada wa kukawia. C'est le Seigneur Jésus Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Quand vous lui faites confiance. Wakati unamtumainia. Vous ne serez jamais déçu. Kama utapatishwa haya. Ton père va te décevoir.
Ton père va te décevoir. Ta mère va te décevoir. Même les frères peuvent te décevoir. Même les soeurs peuvent te décevoir. Mais un seul qui ne déçoit pas. Lakini mmoja ule asiweze kukupatisha haya. C'est celui en qui tu dois mettre ta confiance. Ni ule ndio unapaswa kutumainia. Frère. Nduku. Nous avons des difficultés. Tuko na magumu. C'est parce que nous tâtonnons. Ndio tuko na papasa. On se pose la question. Tuko najiuliza. Quand la maladie arrive. Wakati magonjwa yanafika. Est-ce qu'on est chrétien ou pas? Tuko ba Kristo au hapana? Quand on est chrétien. Wakati uko mkristo. On est assuré que nous sommes chrétiens. Uko na tikisho ya kusema uko mkristo. Avant que les gens ne témoignent. Bado bantu bapata kukushuhudia. Toi-même qui as rencontré le Seigneur. Mimi mwenyewe ule ndikutanana na Bwana. Je suis chrétien. Mimi napaswa kuwa na tikisho ya kusema niko mkristo. Parce que les gens peuvent témoigner autre chose. Ndio bantu banaweza kushuhudia bintu mingine. Mais ta propre conscience témoigne autre chose. Lakini dhamiri yako mwenyewe iko na shuhudia bintu mingine. Amen. Amina. L'homme, nous le voyons par apparence. Mutu tunamonaka toi loyinje. Mais tes actions. Lakini matendo yako. Nous montre ce qui est en toi. Itatuonyesha kile kiko ndani yako. C'est pourquoi. Njoko mana. Si Dieu est dans le cœur. Kama Mungu yuko ndani ya moyo. Il se manifeste par ce que nous faisons. Eko na jionesha kupitia kile tuko nafanya. Dieu ne peut pas être dans le cœur. Mungu asiwezi kuwa mmoja. Mais à l'extérieur nous avons des mauvaises actions. Lakini inje tuko na matendo mubaya. Ce n'est pas Dieu celui-là. Ule hana Mungu hapana. Celui-là c'est ton grand-père. Ule ni mkambo yako. Mais notre Dieu. Lakini Mungu. Il n'a pas besoin d'habiter même dans ta tête. Ashihitaji kuikala mkichwa chako. Il a besoin d'habiter dans ton cœur. Yeye anahitaji kuikala mmoyo wako. C'est là où il y a son trône. Ndio mwana mwenye kwa kiti chake cha ufalme. C'est là où dans ton cœur quand tu fais quelque chose de mauvais. Ni mwana muro yako wakati unafanya kitu kibaya. Ton cœur commence à te dire. Sasa moyo wako unaanza kukuambia. Tu as mal agi. Unatenda mubaya. Farange. Kwenda tengeneza. Et que chaque il agit mal. Wakati mkristo anatenda mubaya. Il ne peut pas être à l'aise. Asiwezi kuwa mna salama. Il ne peut pas même dormir. Asiwezi hata nalala. Un chrétien. Mon Christ. Nous disons que tu es un chrétien. Tu n'as pas mzuri, mon Christ. Quand un chrétien agit mal. Wakati mon Christ on a fait mubaya. Le mal qu'il a fait. Il a mubaya rifanya. Va commencer à le déranger. Il t'anda kumuji muro yake. Parce que la nature qui est en lui. Kwa maana asili yenye kwa ndani yake. N'est pas la même nature avec le mal. Aina asili moja moja na mubaya. Les épreuves. Mabipimo. De notre foi. Ya imani yetu. Ne produit pas quelqu'un rétrograde. Ayezu kuzala mtu mwenye kurudi nyuma. Quand quelqu'un est éprouvé par Dieu. Wakati mtu anapimwa na Mungu. Ce dernier devait persévérer dans les affaires de Dieu. Huyu mtu alipasha kudumu mu mambo ya Mungu. Est-ce que l'église comprend? Kanisa iko naelewa. Dieu ne peut pas t'éprouver même par la mort. Mungu anaweza kukusukuma hata kudufu. Il peut t'éprouver. Anaweza kukupima. Même par la mort. Hata kupitia lufu. Avec un objectif. Na shaba moya. Oui. Ndiyo. Et son objectif. Na shaba yake. Il veut toujours te gagner. Anapenda paka ukue wake. Mais tu es éprouvé par Dieu. Mungu anakupima. Frère, na mkanisa mwenye minatoka. Ah, frère, j'abandonne même l'église. Ça, ce n'est pas l'épreuve. Il a un kipimo ile. Ça, ce n'est pas l'épreuve. Il en a qui pimo. On ne sait pas comment on pourra l'identifier. Atuyo tutakiita je ile. Parce que l'épreuve. Nous qui pimo. Ne fait pas des croyants en arrière. Ashipe ayifanyaka ba Kristo ba kurudi nyuma. L'épreuve. Qui pimo. Fait avancer les croyants devant. Il ne kanaka kuna msukuma mu Kristo ba kusonga mbele. Et quand il va devant. Na wakati anaenda mbele. Il ne regarde pas en arrière. Ashangaria yake nyuma. Ce qui est en arrière, c'est déjà passé. Kile ki kwa nyuma kinasha pita. Monsieur, mato yetu. Sont fixés sur notre avenir. Inatazamia bile biko kumbele yetu. Merci Seigneur. Na unasema Bwana. Nous devons être en mesure de parler comme Job. Tunapaswa kuwa mkipimo ya kusema kama Ayubu. Tu es parti. Yote binakwenda. Les enfants partis. Batoto banakufa. Tout son bétail parti. Banyama bake bote banakufa. Sa richesse partie. Mali yake yote inapotea. Les hommes meurent. Bantu banakufaka. Mais les esprits ne meurent pas. Lakini maro yo haikufake. Les mêmes esprits. Yile maro moja moja. Qui était parti vers Job. Yile rimwende yake Yobu. Pour lui dire que. Yo kumwambia kusema. C'est que tu as, apparemment tu as péché. Ah, iko sa ulitenda zambi. Parce que ça, ça ne peut pas t'arriver. Ndio ibintu yeye yavetu kukufikia wewe. Il faut regarder bien ses frères ici. Il a mal, parfois il a un péché non confessé. Angaria twangingini huko na dhambi ila ukukiri. Si il a un péché. Kama yuko na dhambi. Tu l'avais vu? Ori monaka. Non. Hapana.
Et s'il a déjà demandé pardon comme à Dieu, te dire que non, Dorcas, j'ai déjà pardonné à Rachel. Mungu sema ondu non. Apana. Mais vous verrez que ces mêmes esprits là continuent à vivre parmi les croyants. Ce qui se passe, parce qu'il avait fait, Mais Job était constant dans sa foi. Yobo, yari shimama yimara mimani yake. Écoutez l'église. Chikia kanisa. Même sa propre femme. Hata muke wake mwenyewe. L'insali est individuel. Oh, kobu ni mtu binafsi. L'insali est individuel. Oh, kobu ni mtu binafsi. L'expérience que Job avait fait avec Dieu. Ile wonjo Yobo alifanya na Mungu. Ce n'est pas la même expérience que sa femme avait fait. Aina ile wonjo moja muke wake alifanyaka. Job savait. Yobo aliua. Ce qui s'est passé. Ile ilianza kufanyika. Entre lui et Dieu. Katikati yake yeye na Mungu wake. Sa propre femme. Lakini mke wake mwenyewe. Elle vient pour lui conseiller. Anakuwa kumshauria. Mais d'une mauvaise façon. Lakini mnamo mbaya. Maudit seulement ton Dieu. Shumulani Mungu wako tu. Moi je verrai retourner chez nous. Mimi napenda kurudia kwetu langu. Parce qu'il avait le véhicule n'en a plus. Alikuwa na magari ashina nayo tena. La richesse d'un croyant ce ne sont pas les véhicules. Mari ya mukrisu aina miotoka. La richesse d'un croyant ce n'est pas le mariage. Mari ya mukrisu aina ndoa. Frère. Nduku. Soyez fiers quand vous êtes croyant. Tukwe na fieri yote wakati kumwaminifu mukrisu. Soyez fiers. Kwa na fieri. Ma soeur, même si tu n'as pas à manger. Dada, ta kama una na chakula. Cela ne fait pas de toi un païen ou un enfant du diable. Ile isema ya kwamba unakuwa mupagano hapana. Même si tu marches à pied. Hata kama unatembea mikulu. Même si tout le monde t'abandonne. Hata kama watu wote wanakuacha. Même si tout le monde te considère. Nous avons quelqu'un à qui nous avons mis notre confiance. Et lui, il nous appelle honorable. L'honneur est pour vous qui croyez. Et si tu es croyant, tu ne peux pas regarder à tes circonstances qui t'entourent. Quels que soient les problèmes que tu as, prends ta foi, fixe-la sur Jésus-Christ. Même si les problèmes semblent être bloqués, ce n'est pas ton affaire. Quand il combat pour toi, toi tu ne vois pas. Mais un jour, tu vas te retrouver vainqueur. Oh, et quand nous combattons, nous combattons un bon combat de la foi. Mais aujourd'hui, les chrétiens se combattent à cause des habits. Oh, bah, Christ, combattons les bons combats de la foi. Tu combats vita nzuri ya imani. Si il y a un problème de la foi, kama huko mambo ya imani, là nous pouvons combattre. Tu tapiga vita. Mais quand il y a un problème de véhicule, kutakuwa mambo ya magari, un problème d'argent, mambo ya feza, mettez ça de côté. Mweke ile kupembeni. Ce n'est pas ça. Aina ile. Qui fera de nous des vainqueurs? Ndio itafanya kwamba tukue bashindaji. Combattez le bon combat de la foi. Tupigane vita nzuri ya imani. Dans la foi il y a un combat. Ndani ya imani muko vita. Si vous ne croyez pas, kama waamini, vous ne saurez jamais tenir devant le diable. Hauta simama mbele ya shetani. Est-ce que l'église comprend? Kanisa inaelewa? Et Abraham. Abraham. Notre père dans la foi. Baba yetu katika imani. Imaginez-vous. Wazeni kwa. Un homme comme Abraham là. Mtu sawa Abraham. Stérile. Ana na buzazi. Stérile. Et tout le monde savait que oui, mon toi chanceka. Et quand tu vas te Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si mawazo ya Mungu. Dieu ne viendra pas te secourir aussi longtemps que tu te sens capable. Mungu ashita kwa kukusaidia wakati wewe mwenyewe unashikia somo na uwezo kufanya. Aussi longtemps tu te sens capable. Donc il y a des gens qui ont tout. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Auta onaka kama mkono wa Mungu. Tu ne secours pas les gens qui se sentent capables. Mungu ashisaidia kama bantu banajudania sema yobe na uweza. Ce sont les gens qui se disent. Ni bana bantu banasema. Oui mambo. Dans cette affaire ici. Kama Mungu ashinisaidie. Si Dieu ne m'aide pas. Mi wapo mi nakufa. Moi je suis mort. Et ce sont de telles personnes. Ni bantu ba ile namuna. Que Dieu descend pour intervenir. Ndio bana Mungu anekaraka na shukia ndio akusaidia. Cherche la main de Dieu. Wa Mungu, mais tu comptes sur ta beauté. Lakini unaanza kuhesabia yule abuzuri bwako. Quand Dieu regarde. Comme Mungu anaangalia. Quelqu'un compte encore sur sa beauté. Angalia je ne peux pas lui faire du bien. Jésus kumusaidia.
décrire son intelligence. C'est pourquoi l'homme de Dieu a prêché sincère. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Écoutez-moi, Église. Ce soir, ce n'est pas à Dieu de prendre sa parole, de la conformer à tes pensées. Non, c'est à toi. Toi qui es péché, toi qui es malade, toi qui es un problème, prends tes pensées, conforme-les à la parole de Dieu. Et Dieu ne quitte pas un homme. C'est l'homme ni muntu qui abandonne Dieu. Ndio anamwachaka Mungu. C'est à toi et retourner vers Dieu. Wa kumrudilia Mungu. Dieu n'est pas loin de toi. Mungu ana mbali na wewe. Il est tout près de toi. Eko karibu na wewe. C'est à toi. Ni wewe sasa. Et retourner là où il est. Kumrudilia Mungu kule eko. Abraham. Abraham. N'a pas regardé à ces circonstances. Asikuangalia na mambo yote yalimfikia. Imaginez-vous ces nombres d'années qu'il est passé sans enfant. Angalieni bwingi mwa ile miaka yote ile alifanya bila kuwa na mtoto. C'est toujours à l'heure la plus sombre. Ndio wakati tu ya mbaya kabisa kwake. Non frère. C'est toujours à l'heure la plus sombre. Ni paka mwile wakati mbaya sana ile. C'est à cette heure-là. Mwile wakati ile sasa. Que Jésus arrive. Ndio Yesu anafikaka. Quand tu n'as plus l'espoir, wakati una natumaini tena, c'est là que Dieu va intervenir. Ndio pale sasa Mungu yatakao kusaidia. Quand tu ne sais plus sur qui compter, wakati unajua utatumainia nani, et que tu comptes uniquement sur Dieu, na unamtumainia paka Mungu yeye pekee, c'est là que tu verras la main de Dieu. Ndio pale sasa utaona mkono wa Mungu. Abraham n'a pas regardé ce qu'il était. Asikuangalia kwa kila alikuya. Dieu l'a béni. Mungu alimbariki. Dieu l'a fait la promesse. Mungu alimfanisha ahadi. On peut prier pour toi aujourd'hui. Banaweza kukuombea leo. Mais la guérison qui vient après 10 ans. Lakini uponyaji unakuja miaka 10 kisha. Si tu n'as pas la foi. Kama una na imani. Tu vas commencer à parler. Utaanza pa kusema sema. Depuis qu'on a prié pour moi. Tangu bari nyomba yako. Si tu as la foi, ce n'est pas ton problème. Haina mambo yako. Parce que la foi ne se pose pas de questions. Kwa maana imani hiyo haikalaka na diulize ulize mawaswali. Elle ne se pose pas de questions. Haikalaka ni wanaulize. Je serai guéri comment? Utatunzwa je? Ce n'est pas ça les questions de la foi. Haina ile ndio mambo ya imani. Quand Dieu lui a fait la promesse. Wakati Mungu alifanisha ahadi. Après quelques jours. Kisha masiku mafulani. Après quelques temps. Kisha ma wakati fulani. Ce que Dieu avait promis. Kile Mungu aliahidia. La chose était arrivée. Ile maneno inafika. Regardez. Sasa angalieni. Le même Dieu qui le donne l'unique fils. Wale Mungu mmoja anampata tu ule mwana wa pekee. Il ne lui demande pas quand cet enfant était bébé. Asikumuombe yeye wakati ule mtoto alikuwa mtoto mchanga. Il demande à Abraham là de lui offrir Isaac. Il est déjà âgé. Anamuomba Abraham amutolee Isaac, Isaac acha kukomea. Frère, ma sœur. Dada yangu ndugu yangu. Dieu. Mungu, ce qu'il te demande. Kile kuna kuomba. Il te demande de lui donner ce que tu aimes bien ça. Yeye anakuomba umpatie kile unapendaka sana kile. Ce que tu aimes dans ta vie. Kile unapendaka sana mwanisha yako. Donne ça à Dieu. Umpatie kwa Mungu. Il lui dit. Anamwambia. Donne-moi ton fils. Unipatie mwana wako wa pekee ule. Wa pekee ule. C'est lui que tu aimes bien. Ule unapendaka sana ule. Dieu parle. Wakati Mungu yeye anasema. Je ne t'attends pas. Mungu ashikalaka na papa papa. Je ne cherche pas. Mungu ashitafutishaka na kusema. Wakati Mungu anasema. Il parle avec précision. Eko anasema na précision yote. Nous ne connaissons pas ton nom. Atujua jina lako. Mais Dieu. Lakini Mungu. Connaît ton nom. Anajua jina lako. Connaît ton cœur. Anajua moyo wako. Connaît ton problème. Anajua mambo yako. Et il connaît quand est-ce qu'il viendra te secourir. Ana anajua ni wakati gani atakuwa kusaidia. Ils ont pris, il lui a parlé. Wakata disemezana naye. Prends ce fils là. Baba wole mwana ule. Va au lieu que je te montrerai. Wende naye kuile fois nitakuonesha. C'était une période dure. Ilikuwa ni wakati wa nguvu. Un seul enfant. Mtoto mmoja tu wa pekee. Si Abraham pouvait dire à l'enfant. Kama Abraham aliweza kumwambia mtoto. Ce qui s'est passé, ce qu'on va lire, ce qu'on a lu au verset 8. Kile tuliweza kusoma mstari wa 8. Abraham dit à son fils. Abraham anamwambia mwana wake. Allons, Dieu m'a parlé. Twende Mungu anasemezana nami.
Or, l'holocauste que Dieu lui avait demandé, c'était son propre fils. Le frère Branham nous dit ceci. Dans sa prédication, laver les pieds de Jésus. Et ce que Dieu veut, il veut qu'il puisse occuper la première place dans la vie d'un homme. Si vous lui donnez la 10e place, il ne va pas refuser. Il viendra, mais il va s'asseoir là où tu l'as mis. Et il ne saura pas agir. Si tu veux voir la main de Dieu, donne Dieu la première place. Dans tout ce que tu fais, donne d'abord la place à Dieu, que Dieu soit devant et que ton projet soit derrière lui. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'échecs. C'est parce que nos projets sont devant Dieu. Ma projet est du combele ya Mungu. Que Dieu soit devant nos projets. Mungu yeye apate kwa mbele na projet yetu. Mule wakati. L'Écriture qui dit. Andiko inasema. Recommande ton sort à l'Éternel. Umuoneshe Mungu mambo yako. Recommande tes projets à Dieu. Beba mambo yako mpokee Mungu. Je vais lui dire mes projets. Nitamwambia ma projet. Parce qu'il a déjà occupé la première place. Ninjua ashakubeba fasi ya kwanza. Et quand vous lui donnez la première place. Wakati unapata fasi ya kwanza. Là, il se sent Dieu. Pala anadishikia sema kwa Mungu. Et il est obligé d'agir. Na anashurutishwa kutenda. Il part. Banaenda. Chemin faisant. Baya banakwenda munjia mule. Isaka remarqué. Isaka naangalia. On a les bois. Shituko na nkuni. On a le feu. Tuko na moto yenyewe. Où est le sacrifice? Sasa sadaka ya kutakaseza hiyo. C'est là que nous avons dit. Ndio pale tulisema. Incroyable. Mon Christ. Quel que soit tout ce qu'il arrive. Hata kama mambo kanina mufikia. Il ne perd pas courage. Asipoteza kodari. Il ne se pose pas la question. Asijiulizake. Est-ce qu'il a la foi? Ndio yuko na imani. Amen. Amen. Une ferme assurance. Atikisho ya kweli. Une démonstration. Yonyesho. De ce qu'on espère. Ya ilo tunatumainia. Ce qu'on n'a pas confi. Ila tuyaona bado. Nous marchons comme si nous avons déjà la chose. Tuko natembeza tulisha kupata kitu yenyewe. Est-ce que l'église comprend? Kanisa inaelewa? Et je suis malade. Niko mkonjwa. Mais j'ai la foi. Lakini kuna imani. En d'autres termes. Savile muzi. Malgré que je suis malade. Vile niko mgonjwa. Je commence à marcher. Mina anda kutembea. Comme si je suis déjà guéri. Ça mina sa kuponywa. J'ai un problème. Niko na mambo. Mais comme j'ai la foi. Ça mina niko na imani. Je commence à marcher comme si la solution est déjà là. Mina anza kutembea sana. Mais vous êtes dans cet état. Wakati mwili hali. C'est là que le miracle de Dieu arrive. Jo sasa miujiza ya Mungu inafikaka. Aussi longtemps vous êtes devant Dieu. Wakati wote uko mbele ya Mungu. Et que Dieu est derrière vous. Na Mungu yeye anakuwa nyuma yako. Vous ne verrez pas la main de Dieu. Hautaona mkono wa Mungu. Mais quand Dieu est devant. Sasa wakati kama Mungu yuko mbele. Et que toi tu es derrière. Na wewe uko nyuma yake. Les hommes vont se poser des questions. Bantu wataanza kujiuliza. Cet homme. Huyu mtu huyu. Il a fait des fétiches. Alifanya madawa. Oui. Ndio. Quel est ce fétiche? Ni dawa gani? Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Ni tundi nilimwamini Yesu Kristo. Pas seulement croire en lui. Hapana pa kumwamini yeye. Parce que je confesse ce qu'il a fait à moi. Ndio niko na kiri kila alinifanishia. Où est le bois est là. Nkuni iko hapo hii hapa. Où est le feu est là. Nkuni moto yo hii hapa. Où est l'holocauste pour les sacrifices? Sasa sadaka yenyewe ya kutakatifu. Abraham savait. Abraham aliua. Que c'est ce fils que Dieu m'a demandé comme holocauste. Ya kwamba ni huyu mwana wangu ndio Mungu ananiomba sasa sadaka. Mais il n'a pas donné cette réponse à son enfant. Asikumpatie mtoto wake ile jibu. Il lui dit. Akamwambia. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. C'est pour voir. Atajitayarisha sadaka. Dans les problèmes que tu as. Mwile mambo uko nayo. C'est Dieu lui-même qui va se pourvoir. Mungu yeye mwenyewe ndio atajipatia atajitayarisha. En d'autres termes. Sawa vile mwisho. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Qui sera la solution? Ndio atakuwa mjibu. Dans les problèmes que tu as. Mwile mambo uko nayo. Neyamak si seulement tu crois en lui. Ni paka kama unamwamini yeye. Dieu c'est il n'a pas dit Dieu pourvoira. Asikuseme ya kwamba Mungu atadipatiaka. Non. Hapana. Asikuseme Mungu atatayarisha. Alisema Mungu atajitayarisha. Ah, il a dit que Dieu c'est pourvoira. En d'autres termes. Mwana mwingine akusema. Isaac ne te pose pas la question. Isaac a sukugulize. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Sera le sacrifice pour l'holocauste. Dieu atakuwa sadaka njia ile kutoka. Dieu.
Pour ta guérison, Dieu uponyaji wako, Dieu t'a déjà guéri. Mungu asha kukuponya. Il suffit que tu croyes. Uamini tu bure. Pour ton pardon, Dieu usamehe wako. Dieu t'a déjà pardonné. Mungu asha kukusamehe. Il suffit que tu acceptes ce pardon. Ina pasha tu uichi. Et ton péché est pardonné. Na sema Mungu asha kukusamehe. Amen. Amen. La foi ne s'agite pas. Imana ikalake kunangaika ngaika. La foi ne confesse pas l'échec. Imana yo ikalake na kile kushindwa. C'est impossible à l'intelligence. Kila kiwezekane kwa akili. Mais à la foi tout est possible. Lakini kwa imani yote inawezekana. C'est qui est impossible avec les yeux. Kila kiwezekane na macho. C'est qui est impossible avec les diplômes. Kila kiwezekane na madiplome. Tu es intelligent. Uko na akili. Tu as des diplômes. Uko na madiplome. Tu as fait confiance aux hommes. Uliweza kutumainia bantu. Mais jusque là tu es chômeur. Mpaka sasa hauyapata kazi. Mais ce soir. Lakini. Si tu mets ta foi. Magharibi kama una kalimani yako. Si tu active ta foi. Kama una tingisha imani yako. Tout est possible. Yote inawezekana. À celui qui croit. Kwa yule anayeamini. Qu'est-ce qu'il y a de croyant dans cette salle? Eh, tu mko mwaminifu mwi chumba. Si tu es croyant. Kama uko mwaminifu. Tu dois avoir la certitude. Unapaswa kuwa na hakikisho. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Hata kama haiendeki leo. Demain ça va marcher. Kesho bitaendeka. Même si je ne vois pas ça aujourd'hui. Hata kama mimi sibione leo. Cela ne signifie pas que Dieu n'a pas écouté ma prière. Ila isema ya kwamba Mungu asikushikie maombi yangu. Garde la foi. Tungeni imani. Ne quitte pas dans la foi. Usitoke mu imani. Après les épreuves. Kisha mabibu. Il y a ta bénédiction. Huko mabaraka yako. Les mêmes bouches qui ont mal parlé de toi. Ila binyo mmoja mmoja ilianza kusema vibaya yako. Pendant que tu es éprouvé par Dieu. Wakati Mungu alianza kukupima. Quand Dieu va agir. Wakati Mungu atatenda. Les mêmes bouches. Bile faut commencer à parler. Bitanza sasa kusema. Ces bouches parleront. Ile binyo bitanza kusema. Mais à moins que tu aies la foi. Ya kwamba uko na imani. Pour ce soir. Kwa mangabi ya leo. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu bénisse. Que Mungu amibariki. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Abariki neno lako Mungu Yesu. Qu'il nous donne ce que nous n'avons pas reçu quand nous étions dans le trafaut. Atupatie bila tu yapokee wakati tukua. Que celui qui a besoin du pardon. Ule anahitaji usamehe. Qu'il reçoit le pardon au nom de Jésus. Apokee usamehe mu jina la Yesu. Celui qui est malade. Ule mwenye kwa mgonjwa. Notre Dieu c'est un grand médecin. Mungu wetu ni munganga mkubwa. Il guérit le cœur. Anakaraka anaponya moyo. Il guérit aussi le corps. Anaponyaka hata maamini. Et la même parole. Hii neno moja moja. Si tu es malade dans ton cœur. Kama uko mgonjwa dans ton âme, reçois la guérison. Upokee uponyaji. Et sur ton corps. Mwili wako. Si tu as une maladie. Kama uko na ugonjwa. Que le monde appelle incurable. Ile dunia inaita sema iponywake. Si tu crois. Kama unaamini. Écoutez, Dieu est ici. Mungu est quoi? Sa main visible. Mukona yake ici on est ici. Il quoi? Elle est en train de toucher quiconque a la foi. Iko na gusa yoyote mwenye kuwa na imani. Elle ne cherche pas ta beauté. Aitafute uzuri wako. Cette main ne cherche pas ton intelligence. Aitafute akili yako. Cette main est en train de chercher la foi. Ile mkono yuko natafuta imani. Et si tu as la foi. Kama uko na imani. La main de Dieu va te toucher. Mkono wa Mungu itakugusa. Et si la main te touche. Kama mkono wake nakugusa. Tu sentiras que Dieu m'a touché. Utasikia kusema Mungu alikugusa. 188 nimbo za Mungu. Nyimbo za Mungu 188. Oui frère. Ndio nduku. C'est Jésus qui m'a pour nous.